pardon. Vous ne me reconnaissez pas, peut-être? Écoutez un petit peu, on s'est rencontrés dans les années 85-86, du côté de Saint-Ualburge. Saint-Ualburge. Ça ne vous rappelle rien du tout, ça? Un petit coin, là. Il y avait une petite baraque à frites. Et alors, je faisais mes frites du matin au soir. Et vous veniez chercher des frites là-bas. Ah, oui, d'accord. N'avez-vous pas un cousin qui s'appellerait Georges? Je n'ai pas de cousin qui s'appelle Georges Mathias. Non. Qui est copain avec Frédéric Leblanc. Non. Il me commandait des frites pour vous, avec des cervelas et des tonnes de sauce, fricadelles, mayonnaise et tout ce qui allait avec. Je suis content, vous avez fait marcher mon commerce. Grâce à vous, je me suis fait des sous, des petits sous, mais des sous, je vous le jure. Est-ce que vous reviendrez prendre des frites chez moi? Je repasserai. Allez. Oui, c'est vrai, je venais à Saint-Ualburge. Saint-Ualburge, quel beau coin, ça. Quel beau souvenir, Oui, c'est vrai qu'en face de l'église. Là. En face de l'église. Où il y a la place, là. Quel souvenir inoubliable. Oh, je suis contente. Mes anciens clients sont de retour. En voilà un. Ben oui, bien sûr, mais c'est vrai que j'allais chercher des frites. Oui. Mais je n'ai pas de cousin Georges. Georges. Alors, il y avait Mathieu, Stéphane, Frédéric, je crois que je l'ai dit, Jean-Paul, Jean-Yves, Jean-François, Albert. C'était une bonne... Albert oui. Voilà. Ben voilà. Je suis trop content. Est-ce qu'on s'embrasse ou quoi? Allez. Est-ce qu'on s'embrasse ou quoi? Et vous ne vous rappelez pas de moi? Non. Allez, ce n'est rien. C'est bon. Ça va? Allez, c'est bon. Bonne journée à vous. Vous aussi. À Saint-Ualburge.